you're gonna
Bonjour Marianne, aventurier. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment très, très, avec beaucoup de bonheur parce que je vous ai découverte il y a peu de temps. Vous êtes une danseuse étoile des mers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une danseuse étoile des mers? Eh ben, une danseuse étoile de mer, ça me fait beaucoup rigoler parce que bah, danseuse étoile, on imagine vraiment la perfection absolue. Et je reste une grande, grande débutante en danse. Donc voilà, ce côté décalé, j'aime bien. Et étoile de mer, bien sûr, qui fait référence aux animaux marins, puisque étant grande débutante en danse classique, en fait, je suis assez frustrée parce qu'on danse très peu, on fait que des exercices assez durs de musculation. Et sous l'eau, je peux enfin danser. Voilà, je me sens plus libre de faire des mouvements beaucoup plus faciles parce qu'on n'a pas à soulever le poids de nos jambes, etc. Et j'ai l'impression de enfin pouvoir danser quand je suis sous l'eau, auprès des animaux. Ah oui, mais alors, donc vous avez commencé par des cours de danse classique, combien d'années? J'ai fait beaucoup de hip-hop et de street jazz toute ma vie. Et depuis maintenant, ouais, bien 12 ans, j'ai fait de la barre au sol classique en me disant que vraiment la danse classique, c'était pas pour moi. Et puis depuis 4-5 ans, je me suis dit, allez, il n'y a pas de raison, mets-toi à la danse classique. Donc c'est vraiment tout récent pour moi. J'adore et j'ai tellement de retard à rattraper que je prends beaucoup, beaucoup de cours. Et c'est très ingrat parce qu'avant de ressembler à quelque chose, c'est compliqué. Et pourtant, hein, quand on vous regarde dans Aqua Ballet qui sort maintenant, ben on se dit, mais c'est magnifique, hein, là on ne voit pas ce que vous nous dites, hein, on voit vraiment quelqu'un qui danse magnifiquement. Oui, alors j'ai toujours, toujours nagé, j'ai toujours été dans l'eau depuis toute petite et j'ai vraiment cette fluidité dans l'eau. Je ne sais pas si c'est inné, mais en tous les cas, à force de nager, nager, j'ai fait énormément de monopalmes aussi, d'ondulations. Donc j'ai une souplesse, une fluidité qui, en plus des mouvements de danse et toutes les années de barre au sol aussi qui m'ont aidé à avoir vraiment un alignement postural, des lignes, voilà, ça aide à être gracieux aussi dans l'eau. Oui, mais dites-moi, parce que vous n'êtes pas toute seule dans l'eau, il y a quand même pas mal de vos amis animaux marins, mammifères marins, et que vous adorez. Mais alors, comment ça se passe, la rencontre pendant que vous dansez? Ils vous laissent danser, ils dansent avec vous? Alors moi, j'avais vraiment envie qu'ils interagissent avec moi. C'était le but de cette vidéo. Je voulais qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une vraie connexion. Et il y a des fois où ça l'a pas du tout fait. C'est-à-dire, par exemple, avec les raies manta, elles étaient en train de se nourrir, elles n'en avaient rien à faire. Et donc, elles étaient là, mais elles ne me calculaient pas du tout. Donc, on a fait les images qu'on a pu. Mais là, ça m'a frustrée. Et au final, alors que les requins, ils venaient vraiment, ils étaient très curieux, ils venaient autour de moi, très, très calmes. Et pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose avec les requins. Et au final, j'étais frustrée. Et en fait, finalement, ça représente juste le fait de coexister. On n'est pas obligé de sans arrêt interagir, vouloir qu'il se passe quelque chose. Juste, on coexiste, on est l'un à côté de l'autre, on se respecte, on essaye de ne pas se déranger. Mais c'est ce côté-là qui est ressorti du film au final. C'était pas ce que je voulais à la base, mais j'aime le rendu final quand même. C'est vrai que nous, les humains, on essaye toujours d'interagir. Si on ne sait pas quoi dire, on parle quand même. Ouais. Mais ici, il y a comme dans l'eau, il y a comme un respect qui se fait naturellement. Tout à fait. Déjà, on est chez eux. On est chez eux, c'est pas notre élément. Donc, merci de nous accepter parce qu'ils nous acceptent toujours. Les poissons, voilà. Et déjà, c'est un lieu aussi, la mer, où il y a énormément d'animaux. C'est vrai, quand on se va se promener en forêt, on peut voir quelques oiseaux, mais c'est très rare de voir des mammifères. Alors que sous l'eau, on voit des milliers d'animaux à chaque fois. Donc, déjà, si on aime les animaux, c'est quand même un lieu magique pour ça. Il y a une manière de les approcher aussi, de ne pas être intrusif, d'être calme dans l'eau, d'aller tout doucement, de les approcher tout en douceur, d'attiser leur curiosité, parfois de reculer un petit peu pour qu'ils aient envie de venir nous voir. C'est vrai que
En fait, je vis sur un voilier depuis maintenant 6 ans avec mon amoureux Alex qui a filmé l'aquabalai. Et du coup, tous les jours, on va nager une ou deux fois par jour. Donc, c'est 1 ou 2 heures dans l'eau avec les animaux. Donc, on a appris vraiment à les côtoyer, à repérer leurs cachettes, à essayer de les retrouver, de pouvoir reconnaître certains. Et c'est un vrai bonheur et une grande chance de pouvoir côtoyer tous ces animaux tous les jours. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a envie de faire l'aquabalai. Parce qu'on était tellement d'espèces différentes, d'animaux avec des caractères différents, et qui soient majestueux, mais aussi des plus petits, moins connus, et dont on fait peut-être moins attention, mais qui sont tout autant passionnants quand on apprend à les connaître. Parce qu'avec Alex, on s'est formé pour aller approcher les mammifères marins, mais aussi on prend des cours de biologie marine pour toute la petite faune, aussi la faune fixée, que ce soit le corail, les éponges, les crustacés, les mollusques, ça nous passionne et on se forme pour vraiment connaître ces animaux. Et plus on connaît ces animaux, plus on est passionné. C'est ça, mais il y a cette connaissance évidemment de la faune et la flore et de tous ces animaux marins. Et comment vous êtes arrivé à cette idée d'aquabalai? Et donc vous disiez, vous nagez 2 heures par jour, donc vous côtoyez petit à petit, vous commencez à savoir comment fonctionner avec les animaux. Mais comment ça s'est créé cet aquabalai? Comment c'est venu? Est-ce que ça a été par étapes? Parce que je vois que vous avez fait d'autres vidéos. Et puis celle-ci qui tout à coup nous apparaît comme étant sublimissime. Et donc, voilà, dites-moi un petit peu le cheminement pour arriver à cet aquaballet. Alors, ça a commencé par de la photo. Alex s'est mis à la photographie et on voyageait beaucoup pour aller à la rencontre des animaux marins, que ce soit les requins ou les gros mammifères, des animaux un peu emblématiques. Et il aimait bien qu'il y ait un modèle humain sur les photos, donc moi en monopalme le plus souvent, pour montrer que l'homme avait sa place dans la nature si on approchait les animaux avec respect. Donc, on a vraiment commencé par faire de la photo. Ensuite, moi, je me suis mis à faire des vidéos de danse sous l'eau, très inspirée par Julie Gauthier, qui avait fait un film qui s'appelle où elle danse dans l'eau, ça m'avait bouleversée. Je me suis dit, mais je veux faire ça, je veux faire pareil, c'était tellement sublime. Donc, des vidéos de danse sous l'eau. Mais voilà, juste moi qui danse dans l'eau, on en a fait plusieurs. Et puis, on a une amie productrice qui avait très envie de faire un sujet sur nous, mais à la fois, on fait de l'apnée, on fait de la photo, on intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants, on adore les animaux, ça partait un peu dans tous les sens. Et elle a dit, il faut qu'on trouve une ligne de conduite pour faire un film sur vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et moi, je dis, ben moi, un de mes rêves, ce serait de faire un film de danse avec les animaux, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est très bien. Déjà, faire des photos, c'est très compliqué. Faire des films de danse, trouver des beaux mouvements, que Alex puisse me filmer en mer, c'est très compliqué. Donc, lier les deux, c'est impossible. Et là, elle me dit, on a notre sujet. Vous faites ça. Vous faites ce film. C'est génial, etc. Donc, En fait, on a. vous aviez toutes les composantes pour réussir, parce que d'abord, bon, vous dansez magnifiquement bien, vous êtes habitué à ces animaux marins, mais en plus, vous êtes entouré de gens qui ont beaucoup de talent. Votre amoureux, déjà, Alex Voyer, qui est un grand photographe, qui sait, pour ainsi dire, tout faire, hein, puisqu'il passe de la cuisine à la photo, à plein de choses. Il répare tout sur le voilier également. Il connaît la faune et la flore. Vous complétez très bien. Et puis encore une autre personne sur le bateau. Donc, vous êtes, donc ce bateau, on va en parler quand même, c'est à 18 mètres, c'est ça? Qui est Oui, magnifique. tout à fait. C'était le rêve Oui. d'Alex à ce bateau? Pas du tout. Nous, notre rêve, c'était de vivre tout près de la mer. Et en fait, il se trouve qu'il a reçu une somme d'argent de sa famille, qui comptait investir peut-être dans un studio, etc. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on n'achèterait pas un bateau? Et on ne savait pas du tout naviguer. On vivait à Paris tous les deux. Enfin, voilà, en tant que Parisien, on connaissait la mer. Et on connaissait ses habitants, mais on voilà pas du tout la voile. Aujourd'hui, ça reste vraiment un moyen d'être proche de la mer, mais on n'est pas des marins. Voilà, les navigations nous coûtent. C'est quelque chose qui voilà, on se considère pas comme voileux. C'est un mode de vie, d'être au mouillage, etc. Mais c'est aussi un mode de vie pas toujours simple. Mais on est ravis d'être près de la mer pour ça. Et
Et j'ai entendu quand même que vous aviez le mal de mer. C'est dingue parce que vous partez sur tous les océans, soit Bahamas, Martinique, les Caraïbes, partout dans le monde. Et vous aviez le mal de mer au départ. Vous avez Ah oui. dû faire de l'hypnothérapie, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez dû faire? J'ai tout fait. J'ai fait la rééducation optocinétique avec une kinésithérapeute. J'ai fait de l'hypnose. J'ai pris un peu tous les cachets, les bracelets, l'homéopathie, etc. Ça va quand même beaucoup mieux parce qu'on finit vraiment par s'amariner. Mais on s'amarine à une certaine houle, en fait, qui fait que dès que la houle change, on est de nouveau malade. Je prends des cachets qui sont très efficaces, qui sont très connus dans le monde de la voile, qui s'appellent les stugerons et qui sont vraiment mais géniaux. Moi, ça me change la vie, sauf que ça m'endort. Mais je préfère 10 000 fois être endormie qu'être malade parce que quand on a eu le mal de mer une fois, on sait à quel point c'est horrible. Donc, je suis moins malade, mais il m'arrive encore de l'être quand vraiment les conditions sont difficiles. Ça fait partie de la vie sur le bateau. Vous êtes combien de temps sur le bateau, sur une année, par exemple, combien de temps vous passez sur ce bateau? Là, en ce moment, il est en Polynésie française depuis 3 ans. Donc, on fait 8 mois sur le bateau en Polynésie et 4 mois à Paris, parce qu'on adore quand même Paris. On est aussi très citadin. Et les deux, comme ça, c'est un très bon équilibre. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai vu aussi que, par exemple, à Paris, il avait envie de créer aussi des gens qui vont se baigner. Dans les points d'eau, enfin dans la Seine, etc. C'est ça. Et donc je me dis, c'est dingue. Donc il incite aussi les gens des grandes villes à aller se baigner. Mais tout à fait. En fait, pour lui, il aime revendiquer le fait que l'aventure, ça peut être en bas de chez nous. On habite au bord du canal de l'Ourcq et il se baignait tous les hivers dans le canal de l'Ourcq, il cassait la glace pour aller se mettre à l'eau. Il adore les baignades en eau froide. Et puis aussi, on a fait une petite aventure en bas de chez nous en partant en paddle pour plusieurs jours en mode camping avec les tentes sur le paddle. Et on campait au bord du canal de l'Ourcq toutes les nuits pour aller comme ça jusqu'à Meaux en paddle, et on a fait le retour par la Marne. Et ça, bah, il y a besoin de 2 paddles, un sac de couchage, une tente, et tout le monde peut faire ça en bas de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des aventures un peu dans la nature. Donc c'est vraiment une aventure à deux, en couple et après Oui. avec d'autres personnes qui se greffent pour vivre sur le bateau, qui est bien équipé. Il y a 4 cabines et tout ça, donc c'est assez confortable. Il y a un beau salon, Tout à fait. c'est assez agréable. Ça c'est chouette. Oui. C'est plutôt une histoire, une aventure aussi ensemble tous les deux. C'est vraiment ça. On est hyper complémentaires. C'est-à-dire que Alex, il a vraiment le bon sens nécessaire quand on est marin. Moi, je ne l'ai pas du tout. Moi, je suis vraiment heureusement qu'il est là parce que les décisions à prendre dans la panique, etc., il sait exactement ce qu'il faut faire et tout. Mais moi, je suis très organisée, je suis très scolaire. Lui, il n'est pas du tout. Donc, on est vraiment complémentaires pour ça. On est une vraie équipe. Après, quand même une inégalité dans le sens où lui s'est fait beaucoup beaucoup de choses sur le bateau que moi je sais vraiment pas faire, alors que moi ma part de ce que je fais sur le bateau, lui saurait la faire. Voilà, il est quand même plus indispensable que moi à bord. Je vois une ombre qui passe, c'est pas lui par hasard. Oui, c'est lui. Ah, mais parce qu'il peut venir se montrer, parce que c'est bien, ça serait Bonjour. fait. Bonjour. Hello. Enchanté. Ah, oui, enchantée Je aussi. ne vais pas vous déranger, j'ai plein de trucs à Ah, faire, vous donc ne c'est me juste. dérangez pas, c'est chouette. Donc, alors, c'est vous qui êtes à l'image, qui avez filmé toutes ces images d'Aquabalais, c'est magnifique. Exactement, bah merci beaucoup. Mais voilà, Marianne est très très humble et ce qui est joli, c'est Marianne, c'est ça qui fait que les images sont jolies. Je ne suis pas pour En grand-chose. fait, je trouve qu'il a vraiment amené ses pattes, comme dans la photo. Il a vraiment un style de photo où il fait beaucoup de flou, avec des bulles, des effets comme ça, très très poétiques. Et tout le côté poétique, ça vient vraiment de lui, quoi. C'est vraiment, il change les objectifs, il Ça sait. vient des deux parce que quand évidemment, nous, on vous voit, vous, qui danse avec ces animaux sous l'eau, donc c'est magnifique. Maintenant, après, quand on sait un peu ce que représente un tournage, on se dit, waouh, comment vous faites dans l'eau pour faire ce tournage? Vous êtes Et ben plein de là. personnes, vous êtes vous seul avec. Qu'est-ce que vous prenez comme appareil? Comment ça se passe ce tournage sous l'eau? Est-ce que c'est très différent des tournages sur Terre, je dirais?
En fait, c'est à peu près le même, c'est exactement le même matériel qui est mis dans une boîte étanche, tout simplement, qui permet d'aller sous l'eau. La seule chose qui est très différente par rapport à un tournage terrestre, on va dire, c'est qu'on est, les conditions sont beaucoup plus changeantes qu'à terre. C'est-à-dire que il peut un jour y avoir du courant, l'eau peut être trouble, les animaux vont être absents. Pour beaucoup de raisons qui nous échappent souvent, il y a des raisons qu'on peut calculer, d'autres, voilà, on essaie d'aller dans des endroits qui sont vraiment, en tout cas, ce petit film, on est allé dans des endroits très reculés avec très peu d'informations sur la faune et les endroits, donc il y a une part de hasard qui est énorme. Et les plans les plus compliqués à tourner étaient ceux qu'on voulait, qu'on avait en tête et qu'on voulait tourner, les animaux qu'on souhaitait voir, parce qui nous ont pris plusieurs semaines à tourner, voire plusieurs mois, enfin au moins un mois pour un animal ou deux. Mais on a eu énormément de très bonnes surprises aussi, c'est qu'on s'est retrouvé dans des coins magnifiques, on a pu filmer d'autres animaux, vivre d'autres choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et je pense qu'un des secrets, voilà, c'est savoir aussi, comme en naviguant à la voile, c'est qu'il faut s'adapter à son environnement et prendre, rester très, très admiratif de tout ce Humble. qu'on a. Et la lumière, vous prenez des jours en particulier où il fait très beau à l'extérieur pour avoir cette lumière sous l'eau. Parfois, c'est pas tout le temps lumineux, mais il y a des moments où c'est très lumineux. Comment vous faites pour la lumière? Souvent, on fait au coucher du soleil, c'est une très belle lumière parce que le soleil est bas, ça fait des rayons vraiment rasants, donc ça fait une belle lumière. Parfois, les jours en soleil, on va tourner un jour, il y a un grand soleil, le lendemain, il y a des nuages, ce qui fait que c'est pas du tout la même image. Donc on dit, bon, on verra bien au moment de l'étalonnage. L'étalonnage, c'est quand on refait les couleurs une fois que le film est monté. Sauf que, en fait, on essayait vraiment quand même de tourner dans les mêmes conditions de soleil. Soleil, voilà, et dès qu'il y avait des nuages, on tournait pas. Pardon, je vais devoir vous laisser. Voilà. J'ai un Merci appel. d'être venu, Alex. Merci. Donc, vous avez créé une association qui est la Route Salée et qui est Oui. une association qui regroupe en fait trois personnes. Donc, qui est vous, Alex, que l'on vient de voir, votre compagnon, et Gilles qui est donc a navigué. Il a déjà été partout sur les mers les plus hostiles, au Cap Horn énormément de fois. Et donc, vous l'avez aussi sur le bateau. C'était au tout début de l'aventure que Gilles était avec nous. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir ce bateau, sinon on n'aurait jamais pu. Il nous a appris à naviguer. L'idée, c'était que lui fasse du charter avec notre bateau quand nous, on était à Paris. Donc, fasse des sous, emmène les gens en Antarctique avec Diatomée. Et quand il avait fini ses expéditions, nous, on profitait du bateau et il nous apprenait à naviguer. Donc, c'était un peu le deal du départ. Sauf que Gilles a eu des soucis familiaux. Ça a été plus compliqué pour lui de rester avec nous. Donc, il a commencé à nous apprendre à naviguer. Et puis, finalement, ça a été vraiment compliqué pour lui. On s'est retrouvé un peu tout seul avec cet énorme bateau qui était destiné au charter, à aller dans les eaux froides, aux Antilles. Et donc, on a appris à naviguer un peu tout seul, tous les deux, aux Antilles. Gilles nous avait déjà quand même beaucoup appris, mais voilà, on s'est retrouvé plus prématurément prévu, un peu seul. Mais les Antilles, c'est l'idéal pour apprendre à naviguer. Les vents sont toujours du même côté. On va d'île en île facilement. Donc, on a un peu appris comme ça, tout seul. Donc Gilles, on a des nouvelles. Il était, voilà, il avait plus trop envie de retourner en mer. Il était fatigué, etc. Il était en train de construire des granges dans les Pyrénées. C'est aussi un homme de montagne, et donc il a préféré retourner dans sa montagne. Et là, tout récemment, il a fini par se racheter un bateau et faire ses fameux charters en Antarctique. Donc, si jamais vous avez envie de voyager en Antarctique, je vous conseille vraiment. Il connaît très très bien la région. C'est Ah, un c'est excellent intéressant. marin. Et donc, oui, voilà, il se remet à la mer. D'accord. Et vous parliez de Diatomée, donc pour dire aux gens, Diatomée, c'est donc le nom de ce fameux grand voilier que vous Tout avez. à fait. Pourquoi Diatomée? Pourquoi Diatomée? Diatomées. Les diatomées, ce sont des petites algues unicellulaires qui. Donc, c'est du phytoplancton, en fait. Quand on les regarde à l'œil nu, on ne les voit pas. Donc, quand on les regarde au microscope, ça fait comme des diamants, des petites étoiles. C'est magnifique.
et ça produit énormément d'oxygène. Donc on trouvait que c'était un beau symbole et on a décidé d'appeler notre bateau Diatomée. Très joli. D'autant plus que vous êtes quand même tous les deux, et vous particulièrement aussi, des grands défenseurs de la faune et la flore, des animaux marins. Et d'ailleurs, comme vous disiez, vous allez dans les écoles aussi pour sensibiliser à la cause. Vous pouvez nous en parler parce que c'est très important pour vous. Tout à fait. Bah, avant de ce projet sur le bateau, j'étais psychomotricienne et je travaillais auprès des enfants. Et c'est vrai que ça me manque énormément. Du coup, être en lien avec les enfants par le média de la mer et les sensibiliser. Donc, bah, voilà, il y a les deux côtés. C'est-à-dire que je leur montre la pollution, vraiment les effets du réchauffement climatique, mais je leur montre aussi toute la beauté. Je leur montre les petits films qu'on fait sous l'eau, ce qui se passe sous l'eau, et la beauté des océans leur donne envie voilà, de protéger tout ça et de découvrir aussi par eux-mêmes. Alors, ça c'est la famille des étoiles de mer. Il faut savoir que l'étoile de mer, c'est la cousine de l'oursin et la cousine du concombre de mer. Alors pourquoi il y a tout ce plastique dans la mer? Il y a 80% de ce plastique qui vient des gens qui sont sur Terre. Parce que, exactement comme je vous ai dit, on jette par terre, on ne fait pas attention. Jeter par terre, c'est jeter en mer. C'est jeter en mer. Et oui, tout ce que je vous ai expliqué, ça se retrouve dans la mer. Avec ces belles images, avec les animaux, c'est vrai qu'on donne assez facilement aux gens l'envie bah, de voyager, d'aller à leur rencontre, et c'est bien normal. Mais on essaye aussi de beaucoup communiquer sur comment y aller et comment éviter de consommer ces animaux. En fait, ça nous fait un peu de peine aujourd'hui, bah, par exemple, les baleines en Polynésie. C'est vraiment l'activité à faire. On se cale une matinée baleine pour aller voir sa baleine. Si possible, avoir une photo avec la baleine qu'on met sur Instagram. Et ensuite, on va faire sa rando. Et on trouve que les animaux, c'est un peu trop. Enfin, c'est pas facile d'aller les voir, mais on a l'impression que c'est facile et que voilà, il suffit de se réserver une matinée, alors qu'en fait, c'est qu'on reste quand même des heures en mer. Essayer de bien les connaître, bien les observer avant de se mettre à l'eau pour avoir le moins d'impact possible et que ça devienne quelque chose mais d'exceptionnel en fait, que ce soit pas quelque chose qu'on consomme en fait. Il y a énormément, énormément de bateaux, de touristes qui vont les voir, c'est trop, c'est beaucoup trop, elles sont harcelées, et là on l'a bien senti, elles n'en pouvaient plus, elles étaient fuyantes. Oui, parfois une va accepter et on peut vivre un moment exceptionnel avec elle, mais dans l'ensemble, elles nous fuyaient et elles en avaient un peu marre d'êtres humains autour d'elles qui plongent. Donc voilà, on communique là-dessus et en même temps, on essaye de nous d'y aller, de plus du tout y aller ou d'aller les voir à des endroits où elles sont vraiment moins sollicitées, faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur elles. Comment ça se passe pour la projection de votre film actuellement? Est-ce qu'il est sur le net? Est-ce qu'il est en privé? Comment ça se passe? Tout à fait. Pour le voir, il faut aller sur la chaîne YouTube Diatomée, donc, et ça s'appelle Aquaballet. Et ensuite, je l'inscris dans plusieurs festivals, mais le temps que les festivals, en fait, c'est sur toute l'année, donc je vais encore l'inscrire dans d'autres festivals qui ne sont pas encore ouverts, notamment d'images sous-marines ou des festivals de danse. Et voilà. Et ce lundi 18 mars, je ne sais pas si la vidéo sera sortie, sera au cinéma des Cinq-Comartins à Paris, dans le cadre d'un festival de court-métrage qui s'appelle C'est pas la taille qui compte. Voilà, donc petit à petit comme ça, il va être projeté. Voilà, c'est le début de sa carrière, on va dire. D'accord. Au niveau de l'apnée, combien de temps restez-vous en apnée sous l'eau pendant que vous dansez? C'est pas très long, en fait. Déjà, c'est filmé au ralenti, donc on a l'impression que je reste très longtemps, mais c'est pas le cas. Souvent, pour ne pas flotter, je suis poumon vide, donc j'ai très vite envie de respirer. C'est très désagréable comme sensation, donc je remonte assez vite. Je saurais pas dire, mais c'est pas plus d'une minute, une minute et demie, je pense, une fois que je fais trois brasses, je danse et je remonte. C'est vraiment. Je ne suis pas du tout championne. Je suis certainement meilleure que la plupart des gens qui n'en ont jamais fait, mais j'ai jamais fait de compétition. Je ne m'entraîne pas spécialement. Je suis à l'aise dans l'eau, mais je suis loin, loin, loin d'être une championne d'apnée. Vous avez beaucoup d'humilité parce que on voit quand même Non, les vraiment. talents que vous avez sur ce bateau et sous l'eau.
Non, non, parce que je reconnais que je peux être fluide dans l'eau, etc. Mais je vous assure qu'en apnée, je... Enfin, c'est pas... Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait si nous allions tous sous l'eau essayer de faire des figures comme ça, mais je pense que ça serait peut-être un oui, petit peu... Oui, mais après, on a des facilités pour certaines choses, et y a plein de choses que je ne sais pas faire et que vous savez mieux faire, enfin, on a tous des facilités. Donc, à partir du moment où on a une facilité, on ne se rend pas du tout compte... de comment dire de bah de que c'est ta compétence parce que c'est facile, ça vient, ouais, c'est facile, voilà, tout ouais. À fait, alors que par exemple en danse classique où je me sens vraiment vraiment nulle, bah je suis beaucoup plus fière de moi, de ce que j'arrive à faire en tant que grande débutante à mon âge. Je trouve ça bien plus valorisant. Pour moi, les champions, par exemple, dans une course de nage, ce n'est pas ceux qui nagent très bien depuis tout petit, c'est ceux qui n'ont jamais nagé, qui vont traverser, par exemple, voilà, faire des compétitions de nage en pleine mer, qui vomissent, qui n'en peuvent plus. Qui... C'est vraiment c'est ceux-là qu'il faut féliciter, c'est eux les vrais champions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est aller au-delà de ses compétences, oui. Parfois, et suivre ses rêves et l'envie, surtout l'envie d'y aller. L'envie de nager, l'envie de danser, l'envie de... Voilà, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de facilité pour ça. Oui, et qu'on se dit, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Donc, tout est possible. Ouais. Merci beaucoup de nous donner cette part de rêve. Vraiment, merci. Je l'ai déjà regardé beaucoup de fois, parce que quand je le regarde, j'ai envie de le revoir. Et merci pour votre humilité, votre gentillesse. Merci pour tout ce que vous donnez aussi. C'est magnifique. Merci beaucoup, vraiment. De rien. Merci de m'avoir invité. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, peak and they're low. Ding dong, ding dong, that is our song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, the bell, raising the sun, boy, the dear, telling the tale, filling the ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, ding dong, ding dong, merry Christmas. Oui, je me posais une question, Marianne. Est-ce que aventurier, puisque c'est Marianne aventurier, est-ce que c'est ton vrai nom ? Mais tout à fait, c'est mon vrai nom. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, bon, mais alors comment tu t'appelles ? Parce que je dis, mais je m'appelle Marianne aventurier. Mais c'est ton vrai nom ? La même réaction, il pensait que c'était faux. Tout à fait, c'est mon nom de famille auquel j'essaye de rendre honneur du mieux que je peux. Oui, c'était prédestiné. C'est ça. Ce bateau, cette aventure. Alors, merci la vie. Merci beaucoup.